Valdo, je suis une femme mariée, tu le sais très bien. Tu te serais mariée avec moi si tu n'avais pas choisi Mbachu, disant que moi je suis plus vieux que toi. Ce n'est qu'un détail là-bas. Et nous ne sommes plus à cette étape-là. Non, je te rappelle juste que c'est toi qui avais choisi un autre. Tous ses frères. Ah bon? Appelle la police! Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est juste que je me demande quelle surprise et le résultat que j'irai prendre demain me réserve. Chérie, je sais que toutes les décisions que j'ai déjà prises, tu m'as toujours soutenue. Je te remercie de me faire confiance. Voilà, je voulais juste me changer. J'espère que tu as bien compris, ma fille. Non, maman. Mon bébé, pour couper court, nous sommes venus ici pour que tonton Valdo soigne ton père. Et après, on va rentrer chez nous. C'est ce que ça veut dire. Maman, tu m'avais d'abord dit qu'on vient ici. Papa allait me parler. Mais pourquoi quand je lui parle, il ne me répond pas? Pourquoi alors? Ça, c'est ce que je t'avais expliqué avant. Bientôt, on va l'opérer et il y va parler. Ma fille, laisse-moi recevoir la personne qui est là et après, on pourra continuer notre conversation, d'accord? C'est qui? Bonjour. Maman, c'est qui? C'est Tantine Moëlle. Oui! Bonne arrivée, Tantine. Merci, ma chérie. Tantine, tu m'as gardé du chocolat comme l'autre jour. Non, ma chérie. Tiens, ceci. Tu pourras t'en acheter plus tard. Merci, Tantine. Ma puce, s'il te plaît, en attendant qu'on t'achète ton chocolat, va rester avec ton papa, d'accord? D'accord, maman. Je sais que tu t'es dit beaucoup de choses depuis que tu m'as vu sortir de cette maison. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Je ne pense à rien. Je constate seulement que j'ai perdu ma copine que j'avais depuis longtemps. Où est ton mari? Il est couché à l'intérieur. Non,
celui de maintenant, ton vrai mari de l'heure. Mwale, j'ai un seul mari qui est souffrant. Il s'appelle Mbachu. Ne me fais pas rire, rien. Donc tu as débarqué avec toute ta famille en vacances chez ton oncle maternel, le petit frère de ta maman. Non. Laisse-moi moi t'expliquer ce qui s'est passé d'abord. Bonjour madame. Vous ne connaissez pas encore mon nom? C'est moi le gardien Bello. Gardien très frais, très chaud, toujours prêt à vous servir quand vous avez besoin. Et puis? Je ne parlais pas de vous madame, je parlais de l'autre madame. Peut-être l'autre madame elle peut avoir besoin de quelques sauces à la boutique ou bien partout. Et puis je pars rapidement, je reviens à la minute et à la seconde. Pardon, dégage là avec tes bêtises quand les gens parlent des vraies choses. Ah! Viens, gardien Bello. Madame. Tiens, ceci. Garde tes poches avec. Merci, madame. C'est toi qui connais? Comment on a donné? Madame. C'est une bonne madame là-bas. Non, si c'est comme ça, chaque jour là, elle se fait sommer. Je vais même finir par laisser le travail avec l'économie. On a beau de tout a basculé le jour où j'ai pris les résultats de mon mari et que j'étais fait appel. Après que tu sois partie, la situation s'est empirée. Il a gémi. Nous n'avons pas dormi de toute la nuit. Je connais la suite. Valdo est arrivé avec sa moto. Il vous a tous embarqués pour ici. Non. Bravo, inspecteur Zoro. Souffre de m'écouter. Cette situation était due au fait que ces calmants étaient finis. Je me suis levée très tôt le matin pour venir chez toi, pour te demander de m'aider encore avec ces calmants. Et Valdo, je suis vraiment occupée en ce moment et je ne pense pas qu'on puisse discuter. Mais qu'est-ce qui te préoccupe tant? Je t'expliquerai plus tard, mais là je dois m'en aller, je te fais signe après. Tu penses que si tu me parles de ta préoccupation, je vais rester indifférent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari est malade. Je cherche à obtenir une aide pour lui trouver ses calmants. Je t'ai proposé plusieurs fois mon aide, tu as toujours refusé. Et tu dis vouloir aider ton mari. Je peux acheter ses calmants et aller même au-delà. Valdo, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Monte, on va. Où? Tu veux aider ton mari ou pas? Seigneur, tu supportes les choses. Le loup ouvre sa gueule grand comme ça. Toi, tu cours, tu viens te jeter dedans en plein jour. Non. Nous sommes venus ici chez Valdo
Il m'a remis une bonne somme d'argent pour les calmants de Bachou. Je constate que les calmants étaient plutôt pour toi. Puisque maintenant tu es calme dans sa maison. Non. Laisse-moi finir d'abord. Tu finis encore quoi? En dehors du fait que tout le monde connaît la Dio, que tu as fini dans le lit de Valdo. Lui et moi avons passé un accord. Accord de t'épouser avec ton mari et ta fille. Moi, je souffre de m'écouter, tu veux? Je t'écoute. Variant la polyandre. Mon Dieu, fais en sorte qu'il puisse vraiment m'aider pour atténuer les souffrances de mon mari. Tu ne trouves pas que ta place manque dans cette maison? Valdo, tu m'as demandé de t'accompagner ici pour prendre un peu d'argent. Si tu ne peux plus m'aider, laisse-moi me débrouiller ailleurs. Non, non. Calme-toi, ça va. D'accord? Ça va. Je suis un homme qui tient toujours à ses paroles. Bah, tu peux avoir ses calmants. Tu m'as dit en route que si tu avais de l'argent, il devait se faire opérer. Moi, je peux t'aider. À condition que tu acceptes ce que je vais te proposer. Et sa proposition, tout le monde la connaît déjà. Bravo, Varian. Bravo, ma chérie. Non, Molé. Valdo et moi avons convenu que j'habite ici pour qu'il s'occupe entièrement de la maladie de mon mari. Ton deuxième mari s'occupe de la maladie de ton premier mari, en vivant tous sous le même toit. Attends, tu es consciente de tout ce qui s'est dit de toi dans la cité? Je n'ai que fait de ce que pensent les gens de moi. Mon mari, s'il arrivait qu'il meure, il doit au moins vivre le reste de ses jours dans les meilleures conditions. Telle est la décision que j'ai prise contre vent et mari. Je te souhaite beaucoup de chance pour ne pas te laisser emporter par ce vent. Je m'en vais. Tu t'en vas sans dire au revoir, Choupi. Tu peux le faire pour moi. Et salue-moi ton mari. Le premier, je veux dire au revoir. Mais madame, vous revenez encore quand? Je ne sais pas si j'aurai encore la force de revenir par ici. Mais madame, il faut revenir. Vous êtes ma bonne madame. Oh toi, arrête d'importuner mes étrangers. D'accord madame. Madame, l'autre madame. Ferme ta gueule. Quelqu'un pouvait avoir même 500. Elle a refusé. Madame la méchante. Hein? Elle est partie. Thank you.
Bon, ça, papa, t'es rentré. Oui, ma puce. Et comment va ta mère? Elle est couchée à l'intérieur. Chérie, devine ce que je t'ai apporté. En allant au salon, mais hélas, j'ai toujours eu droit à une autre surprise en te retrouvant assise en main le sol, alors que le docteur t'empêche de faire les mouvements jusqu'à ce que la blessure soit cicatrisée. Je m'excuse, mon amour. C'est déjà fait. Papa, tu peux t'oublier mon yaourt? Non, pas du tout, mon cœur. C'est ici à l'intérieur du plastique avec le soya de ta maman. Oui! Voilà, merci, ici. Papa. Voilà. Ne pleure plus, maman dit que bientôt tu vas guérir. Papa, j'arrive. Au attenti, Mouélie. Attends-moi ici, j'arrive. Si tu penses que tu me... Si tu penses que... Je serai... Indifférent. Tu penses que si tu me bats d'abord. Je ne pense à rien. Je constate tout seul. Ne me fais pas rire, Varia. Donc tu as débarqué avec toute ta famille en vacances chez ta famille. Ne me fais pas rire, Mbachu. Varia. Ne me fais pas rire, Varian. Donc tu as débarqué avec toute ta famille en vacances chez ta famille paternelle. Ton oncle paternel. C'est moi le gardien Bello. Gardien toujours prêt, toujours frais. Et... Valdo, tu m'as demandé de venir ici pour prendre un peu d'argent. Pardon. Je n'ai que faire de ce que les gens pensent de moi. Mon mari, s'il arrivait qu'il meure, il doit vivre le reste de sa vie dans... Je te souhaite bonne chance pour ne pas te laisser emporter par ce vent. Beaucoup de chance, ok. Je connais la suite. Valdo a débarqué avec sa moto et vous a tous... Il vous a tous fait quoi? Je connais la suite. Valdo est arrivé avec sa moto et il vous a tous embarqué. C'est le mot embarqué. Non, laisse-moi finir, tu veux. Non, c'est pas ça. Je
tu as sorti dans... Je suis sorti dans ce n'est pas, ce n'est pas ça. C'est que les calmants.